Bonjour, je m'appelle Patrick Bourgeois et je vous souhaite la bienvenue à cet atelier sur la macrophotographie. Alors cet atelier se veut une introduction à la macrophotographie avec les trucs, les conseils que je vais vous donner. Vous allez être capable de partir du bon pied, de tout de suite déjà être capable de faire des photos qui sauront vous satisfaire, de ramener chez vous des images qui seront impressionner les gens. Évidemment, pourquoi on commence avec un atelier sur la macrophotographie? Parce que moi, la macrophotographie, je trouve que c'est vraiment une approche en photo qui est impressionnante, qui est spectaculaire, qui est superbe. On se concentre, moi c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on se concentre sur des sujets, sur des animaux qu'on ne voit pas souvent, pour ne pas dire qu'on ne voit jamais. Les insectes, hein, on sait... les réticences que bien des gens entretiennent envers les insectes, on pense que c'est nécessairement laid, que c'est dégoûtant, on ne veut pas que ça nous touche. Et quand on plante un objectif macro sur ces sujets-là, on découvre que ce sont des animaux qui sont superbes, il y a des couleurs, il y a des textures, il y a des formes qui sont vraiment impressionnantes, puis on ne les voit jamais. Donc, moi, je trouve que la photo, ça doit être la photo animalière en tout cas. Ça doit être une démarche qui nous amène à faire découvrir des choses aux gens, puis être capable de les amener dans l'émotion en macrophotographie, c'est certes un défi, mais c'est un beau défi. J'aime aussi la macrophotographie parce que c'est une technique de proximité, que j'appelle, en tout cas moi, de proximité. Si vous décidez de vous concentrer sur les orignaux, les caribous, les loups, les grands mammifères, même certains oiseaux, disons que ça ne se fait pas à côté de la maison chez vous. Alors que la macrophotographie, si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous pratiquez ça dans vos loisirs, puis on sait que les loisirs, quand on est parents, on a toutes sortes d'affaires à faire. Des fois, le temps à consacrer à la photo, il n'est pas nécessairement énorme. Alors la macrophotographie, dans un cas comme celui-là, c'est parfait parce que vous pouvez commencer vraiment dans votre jardin. Dans votre jardin, vous allez avoir des araignées, vous allez avoir des insectes, vous allez avoir, même si vous décidez de faire ça encore plus simple, de moins vous compliquer la vie, ben ça peut être ne serait-ce que les fleurs que vous avez dans votre parterre. Alors ça, c'est vraiment un avantage. On peut avancer, progresser assez rapidement en macrophoto parce qu'on peut se pratiquer dans notre cours. Ce que j'aime aussi de la macrophotographie, c'est que, contrairement, encore une fois, aux approches dont j'ai parlé il y a quelques instants, c'est-à-dire si vous vous concentrez, les oiseaux, par exemple, tu sais, ça va prendre des téléobjectifs qui sont suffisamment puissants pour aller chercher ces sujets-là sur les branches. Et qui dit téléobjectif, normalement, dit ça va coûter cher. La macrophotographie, puis on va voir là, dans le cadre de l'atelier, je vais vous présenter l'équipement nécessaire, l'équipement qui peut vous amener à plonger de belle façon dans cet univers-là. Puis vous allez voir qu'il y a des trucs, évidemment, qui sont un peu plus dispendieux, mais on peut commencer vraiment avec ce qu'on a déjà sous la main, c'est-à-dire un boîtier ordinaire, un objectif ordinaire, puis on ajoute certaines pièces d'équipement pour être capable de faire de la macro. Alors ça, c'est aussi tout un avantage. On a des sujets proches, on a d'équipements qui ne coûtent pas nécessairement les yeux de la tête, on peut se pratiquer souvent parce que c'est à côté de chez nous. Alors dans le cadre de cet atelier-là, je vous amène sur la piste de la macrophotographie en vous partageant mes essais, mes erreurs. Donc, hein, souvent, ce qui est pratique, puis dans la vie, une vie, ça ne dure pas si longtemps. Donc, si on peut profiter de l'expérience d'autres personnes pour éviter de refaire les mêmes erreurs, ben, c'est jamais une mauvaise chose. Dans cet atelier-ci, ce qu'on va faire, c'est simple et en même temps, c'est un survol assez exhaustif de la macrophotographie. On va commencer avec les principes de base, parce qu'avant de nous lancer en macrophoto, il faut comprendre qu'est-ce que ça implique de faire de la photographie. Donc, je vais régulièrement vous parler du triangle d'exposition. Je vais régulièrement vous parler des ISO, de l'histogramme, vitesse d'obturation, profondeur de champ. Donc, dans un premier temps, on va tout établir ça pour qu'on comprenne et qu'on se serve de ça pour la suite des choses. Dans un deuxième temps, je vais vous parler vraiment de l'équipement nécessaire.
tout dépendant de vos budgets, pour que vous soyez capable de faire les choix les plus éclairés, pour que vous ne gaspillez pas votre argent en achetant des équipements, des pièces d'équipement qui ne conviennent pas à vos objectifs. On va vraiment parler des boîtiers, on va parler des objectifs, on va parler des accessoires, on va parler de lumière, les flashs, etc. Ensuite, on va aller, parce que moi, le but de cet atelier-là, c'est pas de seulement vous raconter des choses, je veux vous le montrer. Donc, vous allez venir avec moi sur le terrain. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment je fais pour trouver mes sujets. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment une démarche animalière. En macro-photo, mes sujets, c'est particulièrement les insectes, arachnidés, amphibiens, reptiles. Donc, on va aller sur le terrain, puis je vais vous montrer comment faire une approche de certains sujets, comment j'installe mon équipement, est-ce que je travaille à main levée, est-ce que je travaille au trépied, comment je fais pour approcher les plus farouches. Fait que ça, au moins, tu sais, ça va être, par l'entremise de travail sur le terrain, vous allez voir ce qu'on a parlé dans les premiers blocs. Hein, vous allez voir qu'est-ce qui convient, comment les utiliser. Une fois qu'on a trouvé un sujet, je vais vous montrer comment bien composer une image. Qu'est-ce qu'on fait pour bien faire, pour bien isoler son sujet avec quand c'est un insecte, quand c'est un amphibien, quand c'est un reptile. Qu'est-ce qui fait qu'une photo est belle et réussie? Qu'est-ce qui fait qu'une autre est moins efficace? On va vraiment passer à travers les grandes règles de la photographie en macro. Puis après ça, bien, évidemment, la macro, c'est une démarche qui se veut quand même, comme toute la photo, c'est une démarche artistique. Donc après ça, une fois que vous savez, vous connaissez les grandes règles, bien après ça, vous pouvez les violer, mais il faut au moins comprendre qu'est-ce qu'on est en train de violer, puis quelle est notre intention en les violant. Fait que on va tout passer à travers ça. On va... Bon, évidemment, une fois qu'on va être sur le terrain, je vais vraiment vous présenter les façons de faire de la photo à main levée. Debout, à genoux, couché. Je vais vous montrer comment travailler avec le trépied. Ça nous prend un trépied miniature. Comment on l'installe. Comment on fait le focus. Est-ce qu'on fait le focus avec la bague? Est-ce qu'on déplace l'appareil? Ça, on va tout passer à travers ça pour arriver à la lumière. Parce que si on travaille en lumière naturelle, il y a des moments de la journée qui sont plus propices. Si on travaille en lumière artificielle, ben là, c'est autre chose. Mais comment bien exposer nos sujets avec des flashs? Est-ce qu'on travaille avec un seul flash? Est-ce qu'on travaille avec deux flashs? Est-ce qu'on travaille avec des lampes LED? On va passer à travers tout ça pour finalement retourner à la maison avec les images récoltées. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un logiciel qui s'appelle Lightroom, je vais vous montrer comment je post-traite les photos pour les rendre les plus efficaces possibles. Parce que moi, effectivement, évidemment, je vous conseille de poser en RAW. Hein, le fichier, c'est RAW. Mais ça aussi, on va tout expliquer ça dans les principes de base. Mais c'est pour ça, vu que je travaille avec ce format-là, c'est pour ça qu'au bout de l'opération, je post-traite. Et là, vous allez vous demander, mais qui est-il pour nous inviter comme ça sur le terrain à nous montrer comment il fait de la macro-photo? Bon, très rapidement, je peux vous dire que la macro-photo, moi, j'ai plongé dans cet univers-là quand j'ai commencé à faire de la photo sous-marine. Étrange, vous me direz, mais voilà, c'est ça. Quand on va sous l'eau, puis je fais beaucoup de macro sous-marine, mais le temps qu'on a à passer sous l'eau, il est très court. Alors, il faut vraiment super bien connaître notre caméra. Il faut bien maîtriser tous les réglages et pour arriver à faire de la macro sous-marine, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de macro de buissons. Je me suis pratiqué sur des coléoptères pour être capable un jour de faire de la photo sur des crevettes. J'ai vraiment développé mon expertise et mon expérience en macro photo comme ça, de manière autodidacte. J'ai évidemment lu beaucoup de livres parce que moi, quand je plonge dans un nouvel univers, je profite de l'expérience des autres. Je l'ai fait par l'entremise de la littérature sur le sujet. Je vous disais que j'ai fait un documentaire sur le Saint-Laurent marin. Donc, pour arriver à faire ça d'efficace façon, j'ai fait des formations en documentaire à l'INIS, l'Institut national de l'image et du son. J'ai fait des formations en direction photo. Ça m'a amené à
comprendre l'image d'une façon plus efficace que je ne le faisais jusque-là. Et au bout du compte, ben, ça a fonctionné parce que, bon, il y a eu le film, mais aussi, ben, je vends des photos, puis beaucoup de la macro-photo que je vends, à des magazines comme Nature Sauvage, à des organismes environnementalistes, à des médias, à des ci, à des ça. Alors voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à faire de la macro-photo. Cet atelier-ci, ben, évidemment, c'est sous forme de vidéo, mais pour ceux qui ont aussi pris le volet terrain, qui vont venir avec moi sur le terrain pour pas seulement le voir, mais le pratiquer, hein, puis ça peut être pratiqué avec mon équipement si vous ne l'avez pas. Si vous avez le vôtre, c'est mieux, mais bon. Il y a quand même, je profite de l'occasion pour ceux qui viendront avec moi, mais aussi pour vous, si vous n'avez pas pris le volet terrain, de garder à l'esprit qu'aujourd'hui, la vie dans les buissons a changé. Hein, macrophotographie dit vraiment, on est accroupi dans les herbes hautes. Et dans les herbes hautes, aujourd'hui, maintenant, au Québec, on a un nouvel invité qui s'appelle la tique à pattes noires. Puis je tiens quand même à faire quelques petites mises en garde de sécurité par rapport à ça. Parce que la tique à pattes noires, c'est un vecteur de la maladie de Lyme, qui est une maladie qui se traite facilement si on la prend au début, mais qui peut devenir assez compliqué à traiter si vous passez à travers les premières étapes de la maladie puis vous tombez dans le second stade de cette maladie-là. Donc là, vous pouvez venir avec des problèmes qui attaquent le système nerveux, la mémoire à court terme, problèmes d'élocution. On ne veut pas ça. Alors, pour éviter ça, ça ne veut pas dire on ne va plus dans le bois. Ça veut juste dire on fait attention, on s'habille avec des vêtements longs, pas des manches courtes comme ça. On s'assure d'avoir vraiment des manches, les cols fermés. Le bas de pantalon, on le rentre dans nos bas. On met des bottes. Si on a des bottes qu'on est capable de lacer, c'est encore mieux. On met des vêtements longs. On peut utiliser des insectifuges, mais moi, j'en utilise pas parce que je trouve quand même que les insectifuges, surtout ceux avec du DEET, là, bon, c'est quand même un produit chimique qu'on amène dans la nature. Certaines personnes vont utiliser comme répulsif des huiles essentielles, mais bon, moi je m'assure plutôt de pas rendre mon corps disponible à la tique, puis je trouve que ça fonctionne mieux que de m'asperger continuellement de produits répulsifs. Mais ça, c'est laissé à votre discrétion. D'avoir un chapeau, c'est quand même pas une mauvaise chose. Mais le plus important, c'est qu'une fois qu'on a fait... Moi, souvent, je vais regarder mes mains, je vais regarder si sur moi j'ai une tique. Puis bon, surtout, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on est de retour à la maison, il faut vraiment s'inspecter des pieds à la tête pour être sûr qu'on n'a pas une tique qui s'est fixée sur nous. S'il y a une tique qui s'est fixée sur nous, puis elle va choisir surtout hein, les parties du corps les plus humides, ça, je vous laisse imaginer où ça peut se loger. S'il y en a une, ben, pas de panique. En dedans de 24 heures, même si la tique est contaminée, il n'y a à peu près aucune chance qu'elle nous transmette la maladie de Lyme. Donc, d'où l'importance de faire une bonne inspection une fois qu'on est de retour à la maison. S'il y en a une, il y a des pinces qui se vendent à la pharmacie pour les retirer. Ce qui est important, c'est pas de pincer l'abdomen parce que la bactérie qui transmet la borréliose, elle est dans l'abdomen de la tique. Donc, il ne faut pas pincer l'abdomen. Il faut vraiment retirer l'animal le plus près possible, le pincer le plus près possible de la tête, puis on le retire. Si vous amenez vos enfants avec vous, on examine les enfants. Si vous amenez vos animaux domestiques, ben, macro-photo et animaux domestiques, ça ne va pas vraiment ensemble. Mais bon, des fois que, il faut aussi les examiner. C'est pas plus méchant que ça, mais il faut le faire.